Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est RobuMan83 et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour The Tourism. Ah, ça fait du bien de retourner sur cette map. Allez, c'est parti. Donc on s'était arrêté là devant Dieu qui nous surveille. Il me fait peur, franchement je vous le dis. Alors, d'ailleurs c'est bizarre qu'elle l'eau. Bon, alors, on va remonter ici pour voir parce que je m'en rappelle peu. Alors, Stairway to Heaven. Encore une map extraordinaire, je vais vous dire. Hein, elle a été très bien pensée. Ah. Avez-vous, dans votre vie, déjà traversé un labyrinthe vertical dans les cheveux de Dieu, d'un Dieu? Donc ça veut dire qu'il faudrait aller sur le Dieu. Il va commencer à faire nuit là. Ouais. Ouais, mais par où on pourrait commencer? Tiens, déjà on va essayer ça. On va essayer de monter par là. Vu qu'ils disent qu'il faut. Hop là, bon bah déjà on est monté très rapidement. On peut descendre aussi très rapidement aussi. Hop là. En tout cas, ça s'entend. Ça s'est fait avec de la laine. On regarde s'il n'y a pas de panneau. On sait jamais. Je pense que ce n'est pas par là. Merde. Même s'il y avait un truc, j'essaye quand même. Oh. Pas faire comme dans Rayman là, c'est du genre on saute là et après on ressaute là-bas. Donc si je comprends bien, il faudrait arriver tout en haut des cheveux. Je vais voir si on peut monter sur les lianes. Normalement on pourrait, on devrait quoi. Ah, c'est quoi qui bloque? Non. Oh non. Ah, c'était la torche qui bloquait en bas. Allez, monte. Monte, Jackie. Bah, il y a un truc là. Ouais, vais-je y arriver? J'ai failli mourir. On va essayer par là, hein, finalement. Que fait cette poule? Game over. Ouh, ça va être la merde pour y aller, hein. On dirait qu'il... On peut monter sur ça? Non. Bon, il doit avoir un autre moyen. Bon, bah si j'ai pas réussi à aller sur ce côté, je vais essayer d'aller... Attendez. Il y a un panneau d'ailleurs là-bas. On va aller voir. Ça peut être utile. Ok. Donc ça pourrait être par là aussi. Tu vas te taire, oui. Pauvre bébé. Donc ça veut dire que ça serait par là. Déjà, il y a plus d'accessibilité. Ah bah y a un... bah, je suis déjà arrivé. What the fuck? You're welcome. Je pense que ce n'est... Putain! Faut que je recommence. Aïe!
Moi, j'aimerais juste voir là, en haut là. Il faudrait aller sur ce, monter là, sauter sur ce truc là. Voilà, monter là. Raté. Ah, ça, maman. Bon, c'est pas grave. On va reprendre ça. Maintenant, je sais où est la sortie, peut-être. You're welcome. Alors, on monte là. Hop. Ah! Quel nul. Je crois qu'il y avait quelque chose qui me bloquait maintenant. Oh là là! Il n'y a pas plus nul de sauter de deux carreaux, quoi. Même ma grand-mère, elle est fait sans les mains. Donc on est passé par là. Ensuite, il faut passer par là. Après, il faut aller à gauche. Après, il faut sauter là. Après, il faut aller là. Après, il faut... En plus, sinon, il y a pas là. Welcome. Ah, on ouvre Belvédère. Oh, déjà, c'est un peu mieux. Ok, alors. Moi qui voulais savoir quelle idée Dieu. Savoir quelle idée Dieu avait derrière la tête. Article sur l'apocalypse. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre mon manteau parce qu'il faisait un peu froid. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Je sais plus. Ah oui, parce que là on avait parlé. Bah, tu sais quoi? On va poser celui-là. Ouais, c'est ça, c'est la 2. Alors, l'apocalypse, selon Saint Kevin. Le jour du jugement dernier, une seule chose peut vous sauver. Allumez un cierge derrière l'autel du Sacré-Cœur. Ok, ça se fera. Mais par contre, je ne sais pas où est l'autel du Sacré-Cœur. Bon. Donc je pense qu'il faut aller sur Belvédère. Aïe! Déjà, j'ai allumé un truc donc. Dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la. Ouais, c'est bon. Bon, bah alors, faut monter sur Belvédère. Parce que j'ai vu qu'il y avait une. Un levier, pardon. Dans les yeux du. Par contre, là, les yeux. Ah, bah voilà. Géronimo! Torchimo! Ah, je l'avais pas vu. Ah ouais! Pas mal! Wouhou! Ça swing! Ok, faut monter par là. Déjà, on n'y était pas tout à l'heure. Ensuite, on monte par là. Je savais même pas. Oh, le placard! Sortir d'un placard. Dressing room. Alors, oh, il faudrait peut-être aller là, parce que là, je sais pas. Ah, parti. Porte checkpoint laissée, la porte ouverte. Ah, Calas. Moi, je préfère monter là-haut parce qu'il y avait une échelle. Panorama. Sans pluie, c'est peut-être joli. Non, je rigole. C'est vraiment magnifique. Toute cette neige, cette pluie, quel mélange. D'ailleurs, dans le Var, il commençait à neiger là. Fou, c'était blindé, mais ça s'est vite arrêté aujourd'hui.
On est lundi, lundi, c'est ça, et ça s'est vite arrêté. Bon, enfin, bref. Encore un checkpoint. Checkpoint. Pourquoi les héros ne font-ils jamais, ne vont-ils jamais aux toilettes? Pourquoi les héros ne vont-ils jamais aux toilettes? Je comprends pas. Parce qu'ils ont peur de se faire attraper, je sais pas. Ah. Oh, ça doit être ça. Mais bon. Marquez dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi je vois pas du tout. Si je vois, j'essaierai d'y penser, mais je vois pas du tout là, franchement. Église. Ah, l'église. Waouh. Waouh. Catacombe, ok. Ah ouais, waouh. C'est trop waouh. Que représentent ces signes-là? Tiens, c'est quoi ça? Au revoir. Une porte pour rien. Waouh. C'est quoi? C'est l'hôtel ça? L'hôtel de ville? Non. Vu qu'ils disent ouvrir accès Redstone, entrée interdite. Ok, ça va, d'accord. Ah, ça c'est l'entrée normale. Saint machin. Ok. Ok, d'accord, Saint machin. Excuse-moi. Déjà, on va là. On ouvre l'accueil. C'est ouvert. Le défi de Dieu. Au jeu des allumettes. Ok, dac. Le jeu des allumettes. Ah, ça c'est mon jeu préféré. C'est comme dans Fort Boyard. Tiens, d'abord je vais aller voir ce qu'il y a là. Parce que le jeu des allumettes. Panorama. Ouais! J'adore les panoramas. Waouh! Ah ouais, c'est magnifique. Waouh, c'est magique. Je vous laisse quelques instants à regarder. Mais c'est pas ça. Voilà. Waouh. Bon, les tableaux ne sont pas très en rapport avec l'église. On a une des chèvres. Bon, après c'est peut-être le pack des textures qui me bug. On va au jeu. Alors. Toi, simple, simple mortel, tu penses pouvoir me battre. D'ailleurs, je croyais que Satan avait récupéré toutes les âmes. Apparemment, il en a oublié. Signé Dieu. Règle. Chaque joueur, à son tour, peut allumer un, deux ou trois torches. Faites votre choix lorsque la torche jouée est allumée. Ok, allumée, il y a 40 E. Le joueur qui allume la dernière torche gagne. Ok. Ben, c'est parti alors. Dieu réfléchit. Jouer. Panorama. Wouhou! Ah oui, c'est le vue sur l'entrée, je crois. Ça représentait des dragons, ça? Waouh. Bon, la pluie, elle me chie, elle fait chier, là. Oups. J'ai fait un screenshot sans faire exprès. Mais bon, c'est pas grave. On n'a rien vu. Battez Dieu pour ouvrir cette porte. Oh. Donc, c'est à moi de jouer. Allez, pour le départ, hein. Ah, tu réfléchis. Faut essayer de jouer réglo. Faudrait que je compte les torches après si je perds.
Ah, bah j'ai perdu, je crois. Ouais, c'est ça. Je peux en allumer une, deux ou trois, mais j'ai perdu quand même. What? Ah, la porte était. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 torches. 10 torches. Donc vous savez quoi? On va commencer par le 2. Lui il fait 1 encore. Donc s'il fait 1, donc 3. Je sais, je vais en mettre 3. Et lui il sera obligé d'en mettre 3. Oh, j'aurais gagné. Je vais gagner normalement. Faut que j'en mette 3. Et lui il en a que. Il a perdu parce que j'allume la dernière torche. Normalement c'est ça si j'ai bien joué le coup. Oui c'est ça. Yes, j'ai gagné. Par contre, si j'appuie sur 1, je suis mort. Victoire! Yes! À moi la porte. Clé du catacombe. Oh, catacombe, ok. J'ai toujours cela, cet arc-là. Banzai! Bon, ben merci Dieu. Ben, tu marques pas. Je suis été vaincu. Dommage. Bon, ben on va redescendre. Je crois que je les avais vus, les catacombes. Bon, je prends plus le levier à la main, je vous le dis de suite. Alors, les catacombes. Oh, pas bien de courir dans l'église. Je rigole. Hein. Ah, voilà, c'était là les catacombes. Oh non, ça va pas être un truc en bas, ça. Dieu lui-même bloque l'accès à ce couloir. Pour y accéder, il faut le défier sur son propre terrain. Au trait divin, jeu des allumettes. Oui, ce. Qui se trouve à l'entrée de l'église. Donc déjà, moi je viens d'y jouer, j'ai même pas fait exprès d'y aller. J'ai voulu monter juste pour aller voir quelque chose et ben voilà. Donc c'est déjà fait. Les catacombes. Les catacombes? C'était pas dans mon programme. Catacombe. Ça fait flipper cet endroit. La 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 la. Petite annonce. Voyant extra. Lucide vous dit. Tout sur votre avenir, pratique aussi, exorcisme et désenvounement. Tels. 5, 5, 5, 1, 1. Demandez Père K. Ok. K, c'est pas Calas. Ah bah tiens. J'ai perdu les clés de mon appartement du presbytère lors de la dernière soirée trans techno dans les catacombes. Merci de les rapporter si vous les retrouvez. Signé Père Calas. Catacombes. Du Sacré-Cœur, suivez la boussole. Par contre, je vous le dis, vous allez rien voir. Donc, on va faire un. Parce que je vais voir, attendez, je vais juste m'avancer un petit peu pour voir. Non, vous allez rien voir. Vous allez rien voir. Donc, pour vous, je vais mettre des torches. Donc, slash game. Game mode 1. Ah non, il faut que. Bon, je vais passer juste le. Oui, j'ai mis mon jeu en anglais parce que sinon tous les mots sont décalés. D'ailleurs, je comprends rien. Multiplay. Attendez, vous savez quoi, on va faire langage. Juste français, mais vous allez voir comment ça va faire. Vous avez vu, ça se décale de gauche. Je sais pas comment le remettre là. Regarde, il y a tout qui se décale vers la gauche. Paramètres. Couleur activée, oui, chat visible, lien internet activé, ok,
Ok. Montrer la cave activée. Bon, ça, je l'ai pas. Comment c'était déjà? Ah, activer le jeu local. Excusez-moi. Démarrer. Alors, slash game. Mode 1. On va remettre le jeu en anglais parce que c'est mieux. Option langue English. Je préfère en anglais parce que déjà les lettres sont mieux faites. Alors, les torches, 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 c'est là. On va prendre 64. Slash game. Game mode. Merde. Game mode 0. Désolé. Je veux juste regarder là. Combien de temps la vidéo fait? Ça fait 20 minutes. Voilà. Donc on va avancer tranquillement en regardant la torche. Enfin, en regardant la torche. Sont marrants là. Alors faut trouver la clé de jeu d'épée. Donc c'est ni là. Champix de Paris. Encore? J'essaie de regarder la boussole encore. J'espère que vous verrez mieux quand même. Parce que... Alors, où est cette maudite clé? Oh, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Ah, j'ai trouvé. Sorti. Oh purée, mais j'ai pas mis longtemps. En fait, il fallait bien suivre la boussole. Et pour une fois, j'ai bien joué. Ex. J'ai ouvert quoi? Ah, 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 d'accord. Ça faisait peur. La clé de l'appartement Calas. Ok. Bon. On va virer. Non, bah c'est bon. On va les garder. Regardez ce qu'on va faire. Wow. Wow, c'est joli. C'est plus éclairé tout d'un coup. Bon ben, j'ai compris alors qu'il faut que je monte. Minecart de secours. Bon ben, à ce que je comprends, mais il faut que je prenne le petit train. Ah ben non, il y en avait déjà un. Excusez-moi. Ligne de maintenance Reston. Le trajet à pied est forcément déconseillé. Montez dans le minecart, appuyez sur le bouton. Ok, donc ça veut dire qu'il faudrait pas. Ah, il y a un coffre. Wow, on est dans tous les circuits Redstone là. Wow. Le temps qu'il a dû mettre. Oh. Je le plains. J'espère qu'il n'était pas tout seul pour faire cette map, parce que franchement elle est très exceptionnelle. Et très jolie. Waouh. Faut le faire quand même. Ça fait vide. On dirait que la... qu'elle est surélevée. On dirait qu'on est en dessous de la map. Je crois que c'est ça, mais bon. Il y a des panneaux et tout, c'est dommage. Pour les gens qui doivent être intéressés sur le Redstone. Il doit mettre des panneaux, je pense. Qui veulent faire des maps aventures ou quoi? Oh non!
Vous êtes sérieux ce qu'il a mis? Qu'est-ce que c'est ce truc? Hop là. Vous êtes sur le bloc Z est égal 1. Je parie que si on casse ça, on est dans le vide. Vous voyez le vide intersidéral? Ouais. C'est ce que je viens de dire. Le reste de quelques jeudis. Ça a l'air bon. Rotten flèche. Oh, c'est pas encore très éclairé ici. On va remonter. Désolé. Ce couloir est protégé par la force de l'eau. Ah ouais, quand même. Juste, je vais voir ça. Machine infernale. Oh. Appuyez ici pour vérifier si la figure est correctement. Et patientez 4 secondes. What the fuck? Bon, ok, on brisera la vitre si ça marche pas encore une fois. Bon, vous savez quoi? Je crois qu'il faut aller voir le père Calas. Oh, il s'est passé. Wouhou. Je vais jeter un coup d'œil à l'appartement du père Calas pour voir si je ne trouve pas un indice, des indices. Ah, c'est par rapport au jeu. D'accord. Est-ce qu'on peut passer par la crypte pour aller aux appartements? Bon, non. Faut passer par là. Aïe. Tiens, ma maman maintenant. Père Calas. Ping, pong. Ping, pong, ping. Alors, je voudrais m'en excuser encore une fois. Hier. J'ai pas pu sortir encore la vidéo, une vidéo. Ça fait la deuxième fois que je rate la semaine entière. Je suis encore déçu de ma part. J'avais promis de faire des vidéos. Donc je vais essayer de toute cette semaine de ne pas rater une vidéo. Sûrement, on va faire avec un ami Beau Assassin 83. On va sûrement faire un Fallen Kingdoms, si vous voyez ce que c'est. Comme a fait Zelvac. Zelvac, Frigiel, Unstable. Eh ben, on va essayer de faire pareil, mais par contre, ce sera que en 1v1, parce que nos deux amis Dark Soul et AZK Olivier ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Comme nous, on est en vacances. Ils sont partis en vacances, je pense. Voilà. On se rappelle de cette ruse. N'allez pas voir la porte 237 ou je sais plus laquelle. Et puis moi je suis très content de vous faire vivre cette aventure. Tiens, ça c'est pas le jeu. Ce tapis, ça me rappelle quelque chose. J'aurais tout intérêt à m'en souvenir. Ok. Rouge. Rouge dans les coins. La croix. Bon, rouge dans les coins. Et jaune au milieu. Après le noir, on verra. L'organiste a une plus belle vue. Ouais, c'est vrai. Lee Checkpoint. Bon, c'est pas grave, il y a l'appartement à côté. Le marbre dans une salle de bain, ça en jette quand même. C'est de la neige. Fait un peu froid quand même. Le tapis en mousse, pas mal fait. Bon, on va retourner là-bas, dans la machine infernale. Ce tapis me rappelle quelque... Ouais, on l'avait déjà lu. Rouge dans les coins, jaune au milieu. Rouge dans les coins, jaune au milieu. Rouge dans les coins. Père Calas, à moi. Père Calas.
Machine infernale, pardon. Vert, alors, rouge dans les coins, noir et jaune au milieu. Ouvrir la pelouse. Alors, les amis, je vais juste voir le combien de temps il reste de vidéo. 30 minutes. Bon, vous savez quoi? On va aller jusqu'à la machine infernale. Et je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Parce qu'après, ça met beaucoup de temps pour la mettre. D'ailleurs, je viens de me gourer. Il faut refaire le tour complet. Pardon. C'est pas moi. Bon, j'avance là. Toujours ces feux rouges que moi j'aime bien. Touché. Donc par où on était passé? Franchement, je m'en rappelle même plus où on était. Où on a atterri, pardon. Non, ici on y est déjà allé. Parce qu'on sait jamais. Ah oui, on est arrivé par là, je me rappelle. Boing, 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 boing. On va juste faire la machine infernale et on se retrouvera sur un autre épisode, je pense. Comme ça. Ça fera un dernier petit. Un petit exercice ou exercice. Le dernier petit jeu. Et je vais vous laisser sur cette vidéo. Machine infernale. Cette force d'eau là. Oh, je me suis gavé. J'ai combattu la force d'eau. Alors, c'est parti. Oh, bah, il est où l'écran? Oh. Ah, ouh. Donc c'est parti, donc rouge dans les coins. Ok, droite. What the fuck? C'est quoi ce truc là? On va se décaler vers la gauche. Oh, droite. Merci. Sage. Merci. Ça fait peur tout ça. Et je crois que j'ai compris. Alors là, il faut aller à droite pour que lui se décale. On te fait monter. Voilà. Maintenant, tu te décales à gauche. Et maintenant, tu descends. Est-ce que c'est ça? Ah, voilà. Là, on retrouve ce signe. Vous êtes bien d'accord? J'appuie. Ah, je crois qu'encore un circuit resto ne marchait pas, j'avais eu peur. Waouh, c'est quoi ce beans? En vacances, je préfère plutôt le sudoku.
ou bien les mots croisés. Ok. Il a l'air bien long, ce couloir. J'espère que tout ce que j'endure va servir à quelque chose parce que je ne vois pas trop comment une simple bougie déposée derrière l'autel pourrait sauver l'inhumanité ou je ne sais quoi. Il ne me semble pas très clair, ce Saint Kevin. Well lost as he went to fog. Ok. I didn't feel the time passed. Ok, en français, ça donne quoi? And here he hummed the hand. The corridor. J'aurais voulu. Là, c'est tout qui a changé, qui est devenu en anglais. Non. C'est la fin qui est devenue en anglais. Donc, je comprends pas. Appropriate musique. Ah, franchement, il s'est gavé pour prendre toutes les musiques là. Ah, l'hôtel. Ah, l'hôtel. Waouh! 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 C'est magnifique. Bon. Ben voilà. On va se laisser ici, sur cette vidéo. Attendez, je vais me mettre bien droit. Voilà. On va se laisser sur cette vidéo. Je vous remercie de la regarder. Mettez un maximum de j'aime. Et franchement, je prends vraiment de plaisir à faire cette map. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un pouce vert. À la prochaine.